cabeza. Hoy día, Jacob, ocupes a sangre, Juana, pero te cruelas a él. Que este clate, la toma de no. Es que vos has tomado a ti también, si la salí. Es que ni la bendición salí. Yes.
Merci l'adoration. Et ça, la présence à sa famille. Alors, tout ça, vous pouvez là. Bon, à vous, il y a un intervenant. À l'adoration, sur vous, la présence à sa famille. Que nous aurons dans la conférence de la moisson qu'on vient de recevoir. La personne qui va nous enseigner ce matin, il va nous parler sur le bien fondé d'un chrétien dans la gestion de la chose biblique. Parce que nous avons l'habitude de dire, nous avons des salakoloba, les occultistes et autres ont occupé tout le poste et nous n'avons pas d'emploi. Et par bien sûr, quand nous sommes dans un bicycle, quand nous sommes dans un bicycle, nous sommes dans un bicycle. Nous avons fait
qui avons la majorité absolue dans ces pays, le chrétien, pour avoir aussi ces postes-là. Voilà pourquoi nous avons invité les éminents hommes de Dieu qui ont cette expérience-là, qui sont dans le domaine. Leur vie, c'est le témoignage de ce qu'il va nous parler. La personne que nous allons écouter ce matin s'appelle le révérend François Kalongi, pour les intimes, le révérend Kalo. Il est docteur en éducation chrétienne. Il est représentant légal de la communauté centre chrétien, la cité de l'espérance. Ce qui est curieux, son église est située sur l'avenue Massina, mais qui se retrouve à Biza. Il est pasteur principal de l'Église des Nations. Il est président du docteur François Kalo Ministries. Il est président des docteurs François Kalo Ministries. Il y a François Kalo Ministries. C'est un ministère d'enseignement et d'édification. Il est conférencier international. Et pour les affaires, pour les business, il est général manager des Joshadan Group and Associates. Manager, il y a général manager, donc c'est qu'on dit le PDG de ces groupes-là. Il est marié à la princesse Koulou et père de trois enfants. Amen. Amen. C'est un homme qui, lorsque vous l'écoutez, vous ne sortirez pas tel que vous êtes fait. Il y a des gens, lorsque vous l'écoutez, vous direz comme ces gens-là, des Judées qui avaient dit l'homme n'a jamais parlé comme cet homme. C'est un homme bon, un homme élevé mais humble, que j'aimerais non pas mettre beaucoup d'explications ou de commentaires, vous allez me donner raison après l'avoir écouté. Dans la conférence de la moisson, nous n'avons pas seulement besoin des hommes de Dieu dans l'église, mais des hommes de Dieu qui ont aussi un apport dans la société. Voilà pourquoi, avant de l'appeler, j'aimerais qu'on puisse recevoir l'homme de Dieu qui nous a honoré, le bishop, le révérend Gauva Séverin. C'est l'un des baobas qui est élevé de notre confrère, on doit les honorer. Voilà, sans plus tarder, nous allons inviter le révérend docteur François Kalo, pendant qu'il s'approche, nous acclamons très très fort pour la gloire. Que Dieu soit béni, que Dieu soit béni. Pour la parole. Pouvons-nous acclamer pour le dans la joie de faire partie de cette conférence organisée par son éminence le prophète Élisée. Nazan Saïmonène pour la côté de la liste de la carte de l'équipe de l'eau et pour qui ça m'est pas
que j'ai connu au travers de mon fils David Kabea de Sambalam. C'est vraiment avec beaucoup de sens de responsabilité que je me tiens devant vous ce matin. Merci, nous pouvons nous mettre. C'est avec beaucoup de sens de responsabilité, comme je venais de le dire, et je veux parler sur votre place, vous chrétiens, nous chrétiens, dans la gestion de la chose publique. Vous savez, de par ma formation, ça fait 37 ans que je marche avec Dieu. Et le Seigneur m'a rencontré alors que j'avais que 17 ans d'âge. Il a sauvé ma vie, il a transformé ma vie. Et il a commencé à me façonner jusqu'au jour d'aujourd'hui. Donc je suis théologien de formation. C'est-à-dire que toute ma vie, je n'ai fait que ça comme étude. J'ai continué encore d'étudier. Mais à côté de cela, Dieu m'a fait grâce. Je suis un homme d'affaires. Je travaille avec une société multinationale marocaine. Et c'est pour allier, comme disait mon père Albert Loukoussa, joindre l'utile à l'agréable. Donc, je voudrais vraiment que vous puissiez me donner toute votre attention parce qu'il s'agit de vous et de moi. Et je salue la présence de mon oncle là, Kalemba, pasteur Kalemba, ça c'est ma famille. Donc les choses que je veux dire, il les connaît parce qu'il m'a vu grandir, il m'a vu évoluer et il connaît ce que je dis est vrai. Jésus a dit que nous sommes la lumière des nations, la lumière de la terre. N'est-ce pas? La lumière ne brille que dans les ténèbres. Là où il y a les ténèbres, pour il faut qu'il y ait la lumière pour que les ténèbres disparaissent. Et lorsque Jésus parle de nous en tant que lumière, il parle de l'influence que nous sommes appelés à avoir. La lumière a un pouvoir. La lumière a de l'autorité. Parce que s'il y a les ténèbres quelque part, si vous allumez même ne fût-ce qu'une tige d'allumette, c'est là que vous expérimentez le pouvoir de la lumière. Elle dissipe les ténèbres. Donc, ce qui veut dire que Jésus, en nous sauvant, et en nous laissant dans ce monde, il ne veut pas qu'il y ait le pouvoir des ténèbres qui domine ou qui règne. Il veut que la lumière domine, que la lumière s'impose. L'enfant de Dieu se trouve dans une société, il doit rayonner, il doit influencer, il doit s'imposer. Oui, la lumière s'impose d'elle-même. En fait, elle est de nature appelée à dominer. Jamais, jamais les ténèbres ne dominera la lumière. Jamais. Donc je veux dire d'emblée que nous enfants de Dieu, nous serviteurs de Dieu, nous servantes de Dieu, nous sommes appelés à influencer, nous sommes appelés à changer notre environnement. Ainsi les hommes des ténèbres dont on parle tant aujourd'hui dans ce pays, donc on parle beaucoup dans ce pays, dans le milieu de la finance, dans le milieu de la fonction publique, dans le milieu de l'armée, dans les milieux universitaires, les hommes des ténèbres dont on parle tant, entendez par là les occultistes, les gens des sciences ésotériques, les gens des mouvements animistes,
les animaux, les gens du mouvement syncrétiste, toutes ces personnes-là, là où nous sommes, c'est nous qui devons donner le temps. Et quelqu'un me suit bien ce matin. Ésaïe 60. Ésaïe 60 dit ceci. Lève-toi. Sois éclairé. Car ta lumière arrive. Et la gloire de l'Éternel est sur toi. Voici. Les ténèbres couvrent toute la surface de la terre. Mais sur toi. Il dit que l'obscurité couvre le peuple. En lingala on dit, les ténèbres couvrent toutes les familles de peuple. Donc toutes les familles des nations gisent sous le contrôle des ténèbres. Mais ça fait une exception. Ça fait une différence. Toi, dans ce pays, tu es une exception. Toi, dans l'entreprise où tu travailles, tu es une exception. Toi, dans la vie en général, tu dois faire l'exception. Pourquoi ? Parce que toi, tu es lumière. Pourquoi ? Parce que toi, tu es influent. Pourquoi ? Parce que toi tu règnes, toi tu domines. Mais sur toi, l'Éternel s'élève. Sur toi, la gloire apparaît. Conséquence, et de roi, et des nations marcheront à ta lumière, sous ton influence. Je fais bien comprendre. Voyez un petit exemple. Les gens veulent que je travaille sur des musulmans. Mais quand je suis au milieu d'eux, et même quand nous traitons affaire avec eux, ils savent qui je suis. Ils réduisent un peu. Ils savent qui je suis. Et ils respectent ce que je suis. Et ils me demandent, lorsque nous sommes devant des offres, comment des appels d'offres dans le cadre des affaires. Ils me disent, prie que ton Dieu, nous savons que ton Dieu t'écoute, que Dieu puisse nous donner ses marchés. Ceux qui m'ont commandé, ils me disent, on va voir la sainte, la mort, tu es un parce que l'Éternel est en moi. L'Éternel se manifeste en moi. Et sa gloire est visible en moi. Les nations doivent marcher à ma lumière, doivent être sous mon influence. Donc je refuse de croire. Je refuse de croire que là où un enfant de Dieu est, lumière qu'il est, que les ténèbres dominent. Je refuse de croire. Je ne crois jamais. Je ne croirai jamais. Sinon, je déchire la Bible. Nous cessons de prêcher. La Bible est formelle. Les nations marchent à notre lumière. C'est-à-dire, ils sont dirigés par nous, orientés par nous, conduits par nous. C'est le roi de peuple, le roi des nations. Il marche à la clarté de mes rayons, la manière dont je rayonne. La manière dont je brille, j'influence. Quand il voit la vie de Dieu, et la vie de Dieu là, c'est l'excellence. La vie de Dieu là, c'est la hauteur. La vie de Dieu là, c'est la dignité. Parce que la parole nous dit que nous tous qui avons le regard découvert, contemplons dans un miroir la gloire de Dieu et nous sommes transformés de gloire en gloire, en la même image. Le mot gloire dont on parle là, c'est kabod. Kabod signifie poids. Kabod signifie empreinte. Voyez, vous prenez une pièce de monnaie. Une pièce de monnaie. Vous mettez sur de l'argile.
laissé un poids, ça laisse les empreintes. Moi et vous, nous qui sommes lumière, nous devons laisser des traces. Nous avons du poids. Kabod signifie ce qui est élevé. Donc nous chrétiens, remplis de la gloire de Dieu, nous ne devons pas être la queue, mais nous devons être la tête. Et ici c'est dans toutes les sphères de la vie, dans toutes les sphères de la société. Je ne suis pas en dehors de mon sujet, mais c'est important de poser les fondements, parce que nous parlons ici de la gestion de la chose publique. Quelle est la part du chrétien dans la gestion de la chose publique? Et vous devez commencer par comprendre que dès par notre nature, nous sommes élevés. Kabod signifie ce qui a de la valeur, ce qui est impressionnant. Donc l'enfant de Dieu où qu'il se trouve, il doit être impressionné par la qualité de sa vie, par la qualité de son travail, par sa notoriété, par sa réputation. Il doit impressionner, parce que la gloire de Dieu n'est pas sur ces païens, mais elle est sur nous. Et nous sommes lumière, appelés à briller, de sorte que nous pouvons influencer même les décideurs. Vous croyez en la Bible? Croyez-vous en la Bible ce matin? Lisez avec moi psaume 75. Et psaume 75, verset 7. Psaume 75, 7. Il est dit, car ce n'est ni de l'Orient ni de l'Occident, ni du désert que vient l'élévation. Mais l'élévation vient de l'Éternel. Deuxième texte. Deuxième texte, Romains 13. Toute autorité vient de Dieu. Oh, mais il s'agit de quelle autorité? C'est l'autorité qui a pour charge de gérer les affaires publiques. Toute autorité, toute élévation, ça ne vient pas de l'Orient, ça ne vient pas de l'Occident, ça ne vient même pas du désert, ça ne vient même pas de Mafabou, ça vient de Dieu. Et je suis de ceux qui croient que Dieu, il est plus intéressé à élever ses enfants qu'à élever les enfants du diable. C'est-à-dire que s'il y a trop de diables élevés, il y a un problème non pas du côté de Dieu, mais le problème c'est avec nous. Le problème n'est pas du côté de Dieu, parce que Dieu, il est celui qui donne, il est celui qui élève. Dieu ne diminue pas, Dieu ne dévalue pas. Sur toi la gloire de Dieu est, elle n'est pas là, elle est ici. Mais nous devons être formés, nous devons être entraînés à régner, à prendre la direction des choses. Et ça, c'est important pour nous. Lisez Genèse 1, verset 26. Pourquoi Dieu a créé l'homme? Pourquoi Dieu avait-il créé la femme? Il les a créés pour qu'il domine, pour qu'il gouverne, pour qu'il gère. Il a créé l'homme et la femme à son image. Créer l'image de Dieu, c'est par rapport à notre nature intrinsèque, notre nature spirituelle. Dieu domine. Dieu, il domine sur les nations de la terre. Dieu, il domine, il préside aux destinées des nations. Nous sommes d'accord. Alors en Christ, Dieu nous a restaurés à notre position initiale. Il a créé l'homme, il a créé la femme,
pour qu'il gère. Vous êtes, nous sommes des gérants. Nous sommes des gouverneurs. Nous sommes des gestionnaires. Nous sommes des dirigeants. Nous sommes appelés à connaître cela afin que nous sachions comment jouer notre rôle. Jésus a dit, vous êtes les sels de la terre. Si les terres perd son pouvoir salant. Ce qui m'a mené et pour nous si proposons. Il reste inutile. Les drames de nous chrétiens, c'est que nous ne sommes pas conscients de notre pouvoir salant. Nous avons un pouvoir de désinfecter. C'est pourquoi il est écrit, ceux qui espèrent à l'Éternel les extrapolent. Ils rendront les pays habitables. Nous avons un pouvoir pour rendre les pays habitables. Si et seulement si nous fonctionnons comme des ambassadeurs du royaume, comme des porteurs du capot de Dieu. La magnificence de Dieu, l'excellence de Dieu. Et Dieu dit, créons l'homme à notre image, le créons à notre ressemblance pour qu'il domine. Et c'est ainsi que vous allez voir que dans Genèse chapitre 8, Dieu va instituer ce que nous appelons le gouvernement civil, la responsabilité pour la gestion de la chose publique. Dans Genèse chapitre 8, c'est après les déluges, les mondes anciens, les mondes qui a précédé les déluges, il a été balayé par Dieu. Dieu a purifié la terre des immoralités spirituelles, des immoralités morales, des impuretés de toutes sortes. Dieu a purifié. Et alors il va commencer un nouveau monde. Parce que quand vous regardez de Genèse 1 en Genèse 8, il y a eu trop de désordre sur la terre du fait que l'homme a hypothéqué sa position. On dirait que l'homme a perdu la gestion de la terre à cause du péché. Et au chapitre 8, Dieu va maintenant instituer un gouvernement civil afin de pouvoir régler la vie dans la société. C'est le but d'un gouvernement dans une nation au milieu des gens. C'est de pouvoir réglementer la vie dans la société. Vous savez, l'Éternel dira à cet homme Noé, par l'épée, périra par l'épée. En fait, dans cette petite expression-là qui est dans Genèse chapitre 8, le Seigneur procède à l'institution ou à l'instauration du gouvernement civil. Notez bien quand Caïn a tué Abel, il a dit ceci à Dieu: maintenant tu me chasses près de ta présence. Toute personne qui me rencontrera me tuera. Il vivait dans la peur. Parce qu'à ce moment-là, on dirait qu'il n'y a personne qui gouverne. C'était la loi de la jungle. Et c'est comme ça que vous allez voir qu'au chapitre 6 de Genèse, la parole nous révèle que le monde de la terre était rempli de violence. Il y avait même des géants imposants sur la terre qui faisaient la loi, qui imposaient la loi partout. Et alors, qu'est-ce que Dieu a fait? C'est à cause de ces mouvements là, ces peuples là, par la loi non gouvernée, des gens qui étaient déjà la loi, qui étaient ingouvernables, finalement ils se sont commis en conciliabule et ils ont dit: nous allons faire, n'est-ce pas,
Nous allons nous révolter dans la tour de Babel, nous allons nous révolter contre Dieu. Et vous allez voir qu'on dit que les fils de Dieu et tout ça, ils ont épousé les fils d'elle. Toute cette histoire de désordre. Et Dieu a dû purifier tout cela. Il a institué un gouvernement civil. À partir de ce gouvernement civil, puis c'était un gouvernement en rébellion vis-à-vis de Dieu. Vous allez voir la manifestation de cette rébellion dans la tour de Babel. Lorsque la tour de Babel, c'est aussi un défi qu'on lançait contre Dieu. Je pense que certains rescapés ou certains qui ont entendu parler du déluge, ceux qui ont entendu parler, ils se sont mis ensemble sous le pouvoir de quelqu'un, des Nimrod. Et ils ont entraîné les gens dans une rébellion. Bref, c'est encore la déviance du gouvernement civil par rapport à l'autorité de Dieu. Parce que le psaume 115, les versets 16 disent ceci. Les cieux sont les cieux qui appartiennent à l'Éternel. Mais la terre, il l'a donné aux hommes. Les hommes doivent gérer. Les hommes doivent diriger. Les hommes doivent coordonner. Les hommes doivent programmer les choses. Vous voyez, quand nous parlons de la gestion de la chose publique, généralement, les chrétiens, il est un peu crispé. Parce que parler de la chose publique, c'est tout ma politique. La politique est juste une infime partie de la gestion des affaires publiques. La politique, c'est juste un petit moyen pour accéder aux charges publiques. Mais ce n'est pas ça en soi la chose publique. La chose publique, c'est la direction, le commande de tout ce qui est lié à la vie de l'homme en société. Et Dieu a donné ce privilège au fils de l'homme. Vous allez voir que lorsqu'ils ont échoué avec les déluges, plus tard dans les livres des juges, les chapitres derniers, vous allez découvrir que Dieu, quelque part, il déplore les non-existence ou les non-gouvernance de la nation. Il dit, à cette époque-là, il n'y avait pas de roi. Je m'adresse aux éminents ministres de Dieu. Et je vous me permettez, je cite la Bible parce que je sais que nous la lisons tous. Et la parole déclare qu'en ces temps-là, il n'y avait pas de roi. Et chacun faisait ce que bon lui semblait. Donc c'est comme ce qu'on appelle aujourd'hui dans les terminaisons modernes des états défaillants. Sans gouvernance, sans gérance, sans direction. Et c'est pour cela que vous allez voir, bien aimé, que dans la parole du Seigneur, même pour la gouvernance d'Israël, Dieu a établi, il a mis en place une organisation. Une organisation religieuse, une organisation politique, une organisation économique, une organisation sociale, et il a donné des réglementations pour que toutes ces choses puissent vivre dans une symbiose, dans une cohésion, que ce soit des états forts ou des nations. En fait, c'est tout simplement la réalité du ciel. Au ciel, il y a un roi. C'est celui qui est notre roi. Et nous sommes des sujets. Et le royaume des cieux embrasse les politiques, les sociales, l'économique et tout ça, même la santé. Et Jésus est le soleil de justice qui s'élève avec les guérisons sous ses ailes. C'est le département, le ministère de la santé. Et
Ésaïe 32, 24 dit ceci, dans son royaume, aucun habitant ne dit je suis malade, il y a une sécurité. Ça commence. Comment saurons-nous que le royaume de Dieu est parmi nous? Jésus a dit, quand ils vous poseront cette question, guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux. Ça affecte le social, ça affecte la santé. Alléluia. Alléluia. Nous devons gérer. Nous ne devons pas être à l'écart de la gestion de la chose publique. Nous devons parmi nous avoir des puissants hommes d'affaires. Il faut vraiment prier pour cela. Il faut vraiment prier pour cela. Je crois que je ne dérange personne ici ce matin. En disant que nous avons lié l'esprit de pauvreté, ça fait des années qu'on est toujours pauvres. L'énergie que tu as déployée pour lier les esprits là, déploie cette énergie pour créer, pour inventer, tu seras riche. Tu seras riche. Anyway, je suis en train de parler, vous savez, quand vous prenez Abraham, il avait le pouvoir politique. Il avait le pouvoir militaire. Il avait 318 soldats armés, bien formés, bien entraînés. Et il avait le pouvoir économique. Il était un homme riche, compris. Et quand tu as, quand tu possèdes, on te respecte. On t'écoute. Prenez le patriarche Isaac. Il avait le pouvoir spirituel. Il avait le pouvoir économique. Il a même amené un roi qui est parti de chez lui, de son palais royal. Il a suivi lui dans la brousse. Après multiples persécutions, vous connaissez l'histoire. Il va creuser de nouveaux puits qui va appeler Rehoboth. Dieu nous a mis au large. Dieu nous a donné de l'espace. Dieu nous a donné de la dominance. Dieu nous a donné de l'influence. Nous devons avoir cela. C'est très important. Et la Bible déclare. Cet homme devint riche. Il devint très riche. Et il alla c'est-à-dire à degré. La Bible dit c'est de gloire en gloire. Il était riche. Il devient encore très riche. Et puis il est continué très riche. Et le roi Abimelech va le suivre pour traiter, faire signer un traité de paix. Il a dit, cet homme est devenu très puissant. Nous n'avons pas le choix. Nous devons aller coopérer avec lui. Nous devons le voir. C'était un homme spirituel. Mais il avait aussi la gestion des affaires, des choses publiques. Dans le domaine des finances. Vous savez, il y a un homme, Steve Makandiwa. C'est Steve Makandiwa, si je ne me trompe pas. C'est un Zimbabwéen. Vous pouvez aller sur Google. Vous écrivez Steve Makandiwa, quelque chose comme ça. Vous allez voir si c'est une erreur, on va vous donner les vrais noms. J'étais dans leur église au Zimbabwe. Celebration Church. Leur église s'appelle Celebration Church. Bien aimé dans le Seigneur, cet homme a donné au gouvernement zimbabwéen de l'argent gratuit. Un chrétien sur le monde des finances. Nous ne savons pas nous l'aurons bien aimé. Tant que nous n'avons pas des écoles, nous n'avons pas des hôpitaux, nous n'avons pas des infrastructures. On continuera toujours à nous insulter, à nous dénigrer, on ne nous consultera pas. De toute façon, la Bible dit, la sagesse du pauvre, personne ne la cherche.
La Bible dit la main de celui qui est actif finit par dominer, finit par gérer, finit par gouverner. Le chrétien, nous devons être entreprenants. Nous devons prier et que Dieu nous donne des directives spécifiques par rapport à la gestion de la chose publique, que nous puissions avoir de la dominance dans un secteur de la vie publique. Si le Seigneur te dirige dans le secteur de la politique, ne sois pas seulement un membre non influent d'un parti politique. De l'ambition. Quand tu arrives jusque au cercle du pouvoir, où les décisions peuvent être prises, et toi tu es dans ce couloir-là, tu es un flux sur ces décisions-là. Pas être à la traîne. Pas être à la traîne en train de courir derrière. Église, Proverbe 29, 2 dit ceci. Proverbe 29, verset 2. Il dit ceci. Proverbe 29, 2. Quand les justes se multiplient, le peuple est dans la joie. Créons la joie dans l'esprit. Créons aussi la joie dans les milieux du travail. Créons la joie partout où nous sommes. Lorsque les justes se multiplient, il y a beaucoup d'hommes d'affaires chrétiens. Il y a beaucoup de femmes d'affaires chrétiennes qui ont des affaires, qui brillent dans ces affaires-là. Ils ne vont pas augmenter les prix des biens, des denrées par cupidité. Ils ne vont pas faire des babouilles. Ils n'utiliseront pas de mauvaises balances. Bien aimé dans le Seigneur, ces hommes d'affaires là, ils créeront de l'emploi. Ils vont créer du travail. Ainsi, les nôtres, nos frères et sœurs, n'auront pas à pleurer pour dire que non, là au travail, le chef m'a dit de signer un document pour entrer dans la neuve loge. Vous ne devez pas subir. Nous ne devons pas subir. Nous devons influer. Il dit, lorsque les justes se multiplient, quand vous avez des hommes d'affaires chrétiens, des professeurs d'université chrétiens, c'est pour cela que j'encourage mes enfants à l'église et partout où j'enseigne. Étudiez. Soyez des lauréats de vos universités. Faites-vous distinguer. La Bible déclare Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego, ils sont à Babylone, les sièges de l'occultisme. Mais il résolut de ne pas s'essuyer, de ne pas compromettre leur témoignage. Ils ont prié à Dieu. Dieu leur a donné l'intelligence. La Bible déclare, ils étaient 10 fois plus meilleurs. Ils étaient 10 fois plus meilleurs. Je voulais voir des chrétiens, ceux qui règnent sur la médecine. Ceux qui règnent dans ces lieux-là, des gynécologues chrétiens, des pédiatres chrétiens, des scientifiques chrétiens, qui peuvent influer sur la chose publique, qui peuvent montrer de quoi tu es capable. Allez étudier si vous pouvez étudier. L'intelligence, demandez-la au Seigneur. La Bible déclare, il donne de l'intelligence aux fourbes. Il donne de l'intelligence aux fourbes. Quand les justes se multiplient, le peuple est dans la joie. Mais quand les méchants règnent, le peuple gémit. Mais même toi aussi, tu fais partie du peuple, tu vas gémir. Pourquoi nous faisons des prières pour la nation? C'est parce que la Bible dit, votre bonheur dépend
de la situation de votre pays, c'est pas que nous n'avons pas la foi à l'église. Le problème que nous avons, nous ne savons pas quoi faire avec la foi que nous avons. La foi n'est foi que lorsque on passe aux actes. La foi n'est foi que lorsque elle produit. La foi, c'est l'énergie surnaturelle qui produit des effets dans les physiques. Je crois, je parle et je vois. Ils sont devant la mer rouge. Ils sont devant la mer rouge. Dieu dit à Moïse, étends ton bâton. Il y avait problème de foi là. Une énergie spirituelle. Et il est passé au sac. Et la terre, la mer rouge s'est frayée en deux. Voyons encore au miracle aujourd'hui. Que nous pouvons envoyer nos enfants à l'université. Qu'ils peuvent devenir des bons professeurs à l'université. Qu'est-ce qui est arrivé à l'université protestante au Congo? Qu'est-ce qui est arrivé? On a créé une université chrétienne, mais sans des professeurs chrétiens. On a amené tous les occultistes. Ils sont venus enseigner là-bas et ils ont perverti. On a amené des coloquettes sauvages dans la ville de Dieu. Et ça détruit la réputation. Je plaide que l'Église envoie des hommes. Que l'Église soutienne des femmes qui ont l'ambition d'étudier, de devenir des maîtres, de devenir des grands savants, afin que nous puissions gérer la chose publique. Quand les justes se multiplient, il y a la joie. La Bible dit, beaucoup de gens cherchent la valeur de celui qui domine. Comment voulez-vous que les gens cherchent votre faveur lorsque vous n'êtes nulle part? Nous devons régner. J'ai été fier. J'ai amené trois hauts fonctionnaires de l'État congolais. Par chef, par directeur, je les ai amenés au Roi Casablanca. Et tous me disaient, docteur, tu nous as fait du bien. Alléluia. Parce que les gens recherchent la faveur de celui qui y a. Et comme moi, j'ai mes partenaires. Nous avons amené, signé par le ministre de la Santé, trois messieurs, trois chefs. Alléluia, amen. Alléluia, amen. C'est pas Calou qui le dit, c'est la Bible. Beaucoup de gens cherchent. Et la parole vous dit, la bouche du juste est une source de vie. Et la Bible dit les lèvres du juste dirigent beaucoup d'hommes. Diriger, c'est influencer. Le problème, nous devons vraiment façonner les chrétiens, nous ministres de Dieu, nous avons une responsabilité. Que nous puissions former une élite parce que les nations doivent marcher à la clarté de l'Église. Vous avez un exemple dans la parole du Seigneur. La justice élève une nation. Les justes élèvent une nation. C'est nous, les hommes de Dieu. C'est nous, les enfants de Dieu, qui devons élever, qui devons susciter, qui devons travailler. Que les gens ne puissent pas avoir peur et gérer. Surtout quand on parle de la chose publique. D'ailleurs, même les statuts de l'ONU disent que chaque citoyen a le droit de participer à la gestion des affaires de son pays. Lorsque j'ai lu la constitution de la République démocratique du Congo, elle dit tout citoyen congolais a le droit de s'occuper ou de gérer les affaires publiques. Dans la zone de la Congo,
les drames de l'église c'est toujours bilo quoi les avoir pas grave. Bilo quoi les avoir pas grave. Ils nous reviennent vers nous avec la Bible et nous disent tout pouvoir vient de Dieu. Oh! Alors, on va se dire la vérité pour continuer ce qu'on dit dans ça. Il me semble que pour beaucoup d'entre nous, Dieu est un mauvais Dieu. C'est un Dieu injuste. Il nous laisse, nous, ses enfants. Il élève seulement les païens. Il leur donne le pouvoir. Il leur donne les chefs dans les universités. Ils deviennent des grands penseurs. Dieu fait ça que pour les païens. Quel Dieu? Non, ça, c'est pas les dieux de la Bible. Non, ça, ce n'est pas les dieux que moi je connais. Les dieux de la Bible, il fait de son peuple la tête et non pas la queue. Il dit à son peuple, toi, tu es une ville, bâti sur une montagne, tous les regards doivent se tourner vers toi. Écoute le prophète Esaïe dire au chapitre 2. Esaïe chapitre 2. Il dit, il arrivera à la suite des temps que la maison de l'Éternel sera bâtie au sommet des montagnes et le peuple accourra de tous côtés. Ils diront, allons à la montagne de l'Éternel. Là, il nous instruira dans ses voies. Là, il va nous donner de l'espace. Là, à la montagne de l'Éternel, l'Église doit produire des bons politiciens. L'Église doit produire des bons gouverneurs. L'Église doit produire des bons commerçants. L'Église doit produire des bons gynécologues. L'Église doit produire des bons pédiatres. L'Église doit produire des bons cordonniers. L'Église doit produire des bons menuisiers honnêtes et intègres. L'Église doit produire des hommes qui occupent l'espace. Si nous occupons l'espace, le monde sera dans la joie et nous serons respectés. Nous serons respectés. Voilà les dieux que moi je connais. Et ça fait 37 ans que je marche avec lui. Il n'a jamais varié dans sa nature. Il le fait, il le fera encore. Les patriarches, je l'ai déjà dit. Prenons Joseph en Égypte. Vous savez tous bien l'histoire, comment ce jeune homme est arrivé en Égypte. Et comment il est sorti de la prison. À peine 30 ans. Mais l'Éternel avait déjà parlé à Joseph. Comment lui il sera élevé. Il est passé par les méandres de la vie. Il a connu les haines. Il a connu les oppositions. Vous savez les problèmes avec nous aujourd'hui. Un peu de résistance, Dieu ne veut pas. Un peu de blocage là-bas, Dieu ne veut pas. Non, quand il y a un blocage, c'est que la puissance de Dieu sera plus grande. Quand on s'oppose contre toi, mon Dieu, la Bible dit, plus on opprimait Israël à l'Égypte, plus il devenait puissant. Tu ne dois pas être dans les Jérémiens. Tu ne dois pas être dans les lamentations. Merci mon frère. Tu ne dois pas être dans des pleurs. Tu ne dois pas être dans des pleurs. Akangi, Okosongate, Namuki, toute la vie tu ne fais que ça. Sors dehors, va gérer. Commence à vendre. Et dis au Seigneur, augmente ce que j'ai. Et tu vas régner. Tu vas dominer. Et c'est ça. Sur la société, on commencera à parler de toi. On va parler de toi. Cet homme, c'est un homme de Dieu. Et voilà comment Joseph, tout jeune, à l'âge de 30 ans, il est devant un occultiste. Tu vois, toi, tu as envie de fouiller. Toi, tu as envie de fouiller. Parce qu'il y a trop d'occultistes autour de toi. C'est que tu n'as encore rien. Si tu savais qu'il y a quelqu'un en toi, si tu savais qu'il y a tout un gouvernement en toi, Dieu le Père est en toi, le Fils est en toi, le Saint-Esprit est en toi, et comme si cela ne suffisait pas, tu es bien protégé par une cohorte des anges. Ils campent autour de
t'arrête pas. Que tu réussisses là où les autres ont échoué. Un jeune homme de 30 ans. Il a tout fait brûle devant un roi puissant, un roi fort, un roi dominant, avec sur sa casquette un cobra, un serpent, un démon qui représentait le pouvoir de l'aigle. Et ce jeune homme est là devant lui. Il explique les choses simples. Et ce roi ne pouvait pas comprendre. Et le roi s'écrie : où pourrons-nous, dans tout mon royaume, trouver un homme si intelligent comme toi? Moi y compris, n'a pas qui était. Alléluia. Amen. Et il va dire seul le trône. Alléluia. Mais c'est pas de Joseph. Et Joseph a commencé à bannir pour la qui s'en pharaon le roi la mouké. Yo, lobi salamoui, benga moui, benga moui, tia moui, bomba wana, oui chef. Est-ce que Dieu peut le faire encore aujourd'hui? Est-ce que Dieu peut le faire dans ce contexte? En toute modestie, en toute modestie, le Seigneur m'a introduit ici au pays dans la deuxième république, jusque dans le corridor suprême du pouvoir. J'ai enseigné, j'ai prêché la parole aux gens comme les Altawana. Ils sont tous dans l'école primaire, tous eux comme Altawana. Mais je me suis retrouvé à la primature en train de lui parler de Dieu. Et tu vois, les gens, ils sont étonnés. D'où lui vient cette sagesse? Elle vient de là. Elle vient de là. Et c'est même Dieu-là. Il veut que nous puissions nous impliquer dans la gestion de la société. Nous devons nous impliquer. Nous devons pas avoir peur. Et nous avons des grands champs. Nous pouvons, une église peut avoir des grands champs. Chant, bilanga, bilanga. Vous avez les Ndunda, vous avez les Mimi, vous avez les étangs. Aujourd'hui, j'ai tellement ces choses que j'ai révolté beaucoup de mes enfants. Ils sont tous à plateau de Bateke, Namekao, Banani, Bazana, Babilan. Hier, on m'a donné un grand sac de cossettes de manioc. Mais c'est le fruit de mon investissement dans les enseignements que j'ai donné au peuple de Dieu. Ils ont des villages, ils le font c'est très important, vous allez dominer. Mais quand tu es fainéant, vous passez l'expression, tu ne fous rien, tu pries 24 sur 24, tu moissonneras aussi 24 sur 24, zéro. Et tu seras la honte du christianisme. Tu seras la honte de la famille de Dieu. Dieu veut que nous puissions régner. Et la Bible dit, Joseph est devenu roi à l'Égypte. Il a pris les reins. Les systèmes bancaires, les systèmes de thésaurisation, des réserves stratégiques. Mais c'est venu de Joseph. C'est venu de Joseph. Avant Joseph, ça n'existait pas. C'est venu. Congolais, bien-aimé. M-Pesa que vous utilisez dans les téléphones. M-Pesa, téléphone. C'est créé par des jeunes gens du Kenya. C'est pas les blancs. Estimé ministre de Dieu. Moi, je suis en train de réfléchir ces jours-ci. Je viens à l'église. Papa, tu as fait quelles études? Je suis licencié à ceci. Venez, payez-moi quelque chose. Mais finalement, qu'est-ce qui se passe? Les mathématiques que nous apprenons ici, c'est les mêmes qu'on apprend en Europe. La Bible dit, celui qui regarde le vent ne sème pas. C'est ça le problème que nous avons. Nous accusons, oui, mais l'environnement n'est pas bon. Les Indo-Pakistanais sont en train de s'infiltrer partout.
Ils ont des magasins là où toi tu n'as jamais voulu commencer. Et demain, nous serons des esclaves de ces gens-là. Celui qui a l'économie, il contrôle. Je voulais dire aujourd'hui à vous, mes frères et sœurs, réveillons-nous. Réveillons-nous. Mettons-nous ensemble. Deux, trois petites intelligences. Deux ou quatre intelligences dans l'église. On peut produire. On peut commencer quelque chose. Faisons-nous confiance. Il n'y a personne qui soit parfait à 100%. Toi-même là qui veux que les autres soient parfaits, tu n'es pas parfait. Mettez un peu de moyens, ça sera un grand moyen. Et vous pouvez commencer une affaire. Prenez des règles de gestion strictes, des règles de gestion saines, une comptabilité fluide. Comptabilité, non pas comptabilité. Et quand vous savez gérer ces choses, vous finirez par dominer d'abord, même ici à Mikondo. Qui connaît Oncle John? Qui connaît Oncle John? C'est un blanc ou c'est un noir? Vous imaginez un seul homme, il est l'oncle de ta maman, il est ton oncle à toi l'enfant, il est l'oncle de ton père. Vous imaginez? Mais c'est à partir de ces histoires qu'il fabriquait là. Ça l'a fait connaître dans tout Kinshasa. Ça l'a fait connaître dans tout Kinshasa. De Mikondo, tu peux être connu. Tu peux être connu. Si seulement, comment je vous parle, regardez les branamistes. Ils se mettent ensemble. Et ils ont maintenant pris pratiquement le contrôle des téléphones. Et nous on est toujours oh là 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 oh là là là. Tu vas voir, tu vas voir. Tu ne vas pas gérer avec ça. Tu ne vas pas gérer avec ça, mon ami. Il faut que tu réfléchisses. Il dit dans les derniers jours, vos jeunes gens auront des visions. C'est pas la vision, nous sommes la barrage, nous sommes la barrage. Bazapembe, non, on n'a pas besoin de ça. C'est-à-dire, brain. Ils ont des têtes qui réfléchissent. Ils peuvent projeter demain. Ils peuvent projeter l'avenir. Ils savent, dans 5 ans, je veux être là. Dans 10 ans, je veux être là. Daniel, c'est un autre pour terminer. Cet homme, il était de la descendance royale. Il était doué d'intelligence et de sagesse. Et il était doué de connaissance. Si tu veux t'occuper de la affaire, de la chose publique, tu dois avoir la connaissance. Tu dois connaître le secteur dans lequel tu veux exceller. Tu dois avoir la connaissance. Moi, mes affaires, Joshadan Group et Associé, c'est un holding. J'ai plusieurs secteurs d'activité là-dedans. Je fais la construction. Moi, je ne suis pas ingénieur en construction. Mais qu'est-ce que je fais? Un homme intelligent, il sait travailler avec d'autres intelligences. J'ai cherché autour de moi un jeune homme intelligent, un architecte. Puis un ingénieur en construction intelligent, compétent. C'est une affaire de compétence. C'est pas une affaire de parler en langue. Dis envoie des hommes compétents, des hommes habiles. Tu dois avoir la connaissance. Très important. Il faut connaître les secteurs. Une autre branche de mon entreprise. Je suis dans la pharmacie. Merci. Je suis dans la pharmacie. Et j'ai cherché un bon pharmacien. Avec des délégués médicaux, pour ceux qui savent ce que c'est. Non, des délégués, des pharmaciens qui vont auprès des médecins pour faire la promotion de nos produits pharmaceutiques. Et en même temps, pour ne pas paraître comme un imbécile, je lis des informations en rapport avec la pharmacie. Quand j'entends
une information à la télévision qui parle des médicaments, je reste scotché. Tu veux redominer, tu veux régner, tu n'écoutes rien, seulement. Si tu veux serrer dans le foot, tu dois t'informer, tu dois avoir l'information, connaître les règles du jeu, connaître comment ça fonctionne. Celui qui marche avec des hommes sages devient sage. Si lui est un éminent politicien, je le prends comme modèle. Je dois le côtoyer. Je dois savoir comment ça se passe. Je dois voir la pauvreté. C'est d'abord le manque de la bonne information. Ah, quand tu n'as pas une bonne information, tu es pauvre. Tu vas avoir des milliards. Ça, cette histoire, c'est vrai que je vous raconte. Je suis à Harare dans un hôtel IP. Moi, j'étais l'interprète de Renard Bonke, depuis l'âge de 22 ans. Et Bonke était tellement impressionné par le travail que nous avons fait au Bashi, il m'a amené avec lui au Zimbabwe. Nous sommes comme les gens sont assis dans les chaises comme ça. Les prédicateurs prêchent. Ils prêchent sur l'amour. Et puis il dit, donne quelque chose à la personne qui est à côté de toi. Dis-lui quelque chose. Maintenant, un autre pasteur, Pasteur Mutombo, il est déjà décédé. Il ne connaît pas l'anglais. Il est à côté d'un autre, un américain. Les autres là, c'est lui qui me raconte parce que moi j'étais dans la cabine en train d'interpréter. L'autre a parlé à l'américain en anglais. Les messieurs sortent comme ça, c'est malias, les billets de $100, $100, et lui donne. Et le pasteur Mutombo était là, il ne sait pas parler. Il ne sait pas expliquer. Il dit, Minashika Sami, Loukeni, Mouson, Paul et Makuta. Manque d'informations. Beaucoup de jeunes ici, vous ne connaissez même pas les langues. Les langues. Évangéliste international, tu ne connais même pas l'anglais. Come on. Comment? Là au fond, là, on ne parle pas les Chinois, mon ami. On ne parle pas les Swahili, on parle l'anglais. Avec l'anglais, tu peux aller dans le monde entier. Mais apprenez les langues pour régner. Mon ami Ndeke a souffert à Brazzaville. Il a invité un pasteur brésilien, on est allé chercher un interprète païen. Parce que chrétien a jeté. Il demande d'apprendre les langues, les chrétiens, il est dans les permanences. Combien savent que sous le soleil il y a un temps pour chaque chose? Règle ta vie. Un agenda, si tu veux gérer la chose publique. Ça se passe, les débats se passent au Parlement. Si tu t'intéresses à être parlementaire un jour, mais va un jour assister aux réunions, aux débats, au Parlement, c'est public généralement. Un jeune serviteur de Dieu vient me voir, Daddy, je postule, je veux être candidat député. Je dis, bon, tu veux faire quoi quand tu seras député? On a pas nommé la église. Ah, mais est-ce que toi, on t'a dit que c'est ça le travail du député? Les députés, sa chance là, ils nous roulent dans la farine. Hein. Votez-moi, Nabuchelabino Minda. Votez, c'est pas ça le travail du député. On vote, il y a rien point. En fait, il t'a eu. Parce que toi, tu n'as pas la bonne information. Il a abusé de ton manque de connaissances. Si nous voulons nous occuper de la gestion de la chose publique, nous devons avoir la connaissance. Daniel était un homme rempli de connaissances. C'est écrit dans votre Bible, Daniel 1. Daniel 1. Il était doué de la sagesse. Il était doué de la connaissance. Et il était apte
apte, compétence. La Bible dit qu'il était apte à se tenir devant le roi. Amen. Amen. Bon, le temps, merci beaucoup vraiment, papa, pour tout le temps que vous m'avez donné. Vous savez, frère, oui, quelqu'un qui veut vraiment régner sur la gestion de la chose publique, sa prestance est très importante. Son apparence, très important. C'est pourquoi je crois que Jésus a dit, quand tu jeûnes, il faut que tu te parfumes. Ah. Il ne faut pas avoir un visage qui demande, un visage miséreux, un visage malheureux. Tu viens chercher de l'emploi où tu veux régner. Mon ami, moi je pense que nous l'église au Congo, il est temps que nous nous réveillons. Savez-vous que si nous voulons avoir, je ne sais pas, à Massina ici, nous sommes à Massina ou à Nji. Nous pouvons décider, bourgmestre chrétien, vice-bourgmestre chrétien, trésorier chrétien, si on les vote, je pense qu'on les vote. Ceux qui vont faire la mort, nous pouvons décider, il sortira de nos rangs. Il sortira de nos rangs. Mais en avons-nous déjà vu qui sont prêts? Et si tout le monde qui va bien, parmi nous. Parce que la Bible dit, si quelqu'un désire être dirigeant, c'est une ambition noble, il faut avoir des ambitions. Mais il doit remplir ces critères. Nous ne voulons pas que tu sois la honte, qu'on dise, t'as la pasteur, dans le bourgoumé, c'est un pasteur. Vous voyez, les gens insultent, n'est-ce pas? T'as la bourgoumé, c'est un pasteur, faux pasteur. Nous devons le former ici à l'église. Non, j'ai dit nous devons le former. L'église doit produire. L'église doit produire. Dans l'histoire de l'église, les meilleurs comptables, on allait les prendre dans les couvents, dans les monastères. Les meilleurs gestionnaires, c'est comme ça les Moutakasamou, là, c'était un ancien de séminaire, non? Réputés par leur intégrité, leur rigueur, leur respect de la chose publique, etc., etc., la transparence. On doit former ces gens-là pour que demain on dise, les amis pasteurs, ces frères-là, nous allons les consacrer bourgmestre. Et il nous obéira. Quand il fait des bêtises, nous irons à son bureau. Nous allons lui dire, nous allons te destituer. Parce que tu es notre frère en Christ. Nous allons à Génie. Voir le Moussila. À Robanga. Quand on cherche des mamans présidentes dans les marchés. Nos mamans dans l'église ici qui vendent ne peuvent pas devenir des mamans présidentes dans les marchés. Mais il faut être apte à se tenir. Si ça exige les études, ça exige l'expérience, ça exige, tu dois t'impliquer, tu dois te former. Et la Bible déclare Daniel décida un homme de caractère. Et Dieu accorda à Daniel la faveur et la compassion de ses hauts chefs. S'il vous plaît, dans un milieu occulte, nous sommes en Babylone. Mais comme les ténèbres ne domineront jamais la lumière, on ne pouvait pas les dominer. On ne pouvait pas l'étouffer. On ne pouvait pas les brimer. Il est lumière. La lumière domine toujours. Et la Bible dit, le haut fonctionnaire dit à David, plutôt on dit à Daniel, plutôt, Dieu donna. Dieu donna à Daniel de la connaissance, du discernement, dans tout ce qui concernait les lettres. Non, le verset 19 dit, Daniel chapitre 1, le roi s'entretint avec eux. Parmi eux tous, il ne s'en trouvait aucun comme Daniel, aucun comme Anania, aucun comme Michael, aucun comme Azaria. Ils s'étaient donc devant le roi. La Bible déclare un homme intelligent, un homme avisé, un homme
apte, un homme compétent, ne demeure pas parmi les gens obscurs. Mais sa place, c'est en présence des chefs. Tu seras promu. Alors que le rospicier, lui, pleure. Toi, là où tu travailles, moi, j'étais travailleur à la GECAMI. Monsieur Atoudou Liongo, c'était mon PDG. Là, dans mon travail, dans mon secteur, j'étais distingué, j'étais différent. On m'a engagé à la GECAMI sans que j'ai fait une demande d'emploi. On est venu me chercher parce que quelqu'un qui m'avait vu travailler dans l'interprétariat. J'ai fait des études théologiques. J'ai été aussi étudié au Ghana. J'ai fait l'interprétariat. Et quand je fais mon travail, il y a l'excellence, il y a l'élégance, il y a la qualité. Et des travailleurs qui étaient au cabinet de la Tundo à l'époque, qui priaient, l'un priait dans mon église, l'autre priait à la borne. Ils ont amené mon nom là-bas. C'est comme ça que j'étais engagé. Bien-aimé dans le Seigneur, au milieu des occultistes, c'est là que ces gens, des nécromanciens, tous ces gens-là, la Bible dit sur tous les sujets qui réclamaient de la sagesse et de l'intelligence, sur lesquels le roi les interrogeait, il les trouvait 10 fois supérieurs à tous les mages, 10 fois supérieurs à tous les enfouteurs, 10 fois supérieurs à tous les magouilleurs. Tu as, c'est ça ta place. C'est ça ta place. Au marché, quand il y a des épreuves, on cherche un président du marché. On te trouve 10 fois supérieur. Et tu deviens chef du marché de la liberté. Et quand tu montes, ce n'est pas un péché. Appelle les membres de ta famille qu'ils travaillent avec toi. Qui sont ces membres de ta famille? Les chrétiens, c'est pas les gens de Mandingu. C'est pas les gens du Kassai. C'est pas les gens de l'Angola. Tu as des membres de la vraie famille, la famille royale, ceux avec qui vous servez Dieu. Émerge avec eux, monte avec eux. Car l'histoire de Dieu, c'est toujours dans la famille. La famille chrétienne, quand on a élevé cet homme, il a pris Shadrach, Meshach, Abednego. Regardez Daniel, c'est comme ça qu'il a fonctionné. Contrairement à nous autres, c'est comme ça que vous échouez souvent. Toi, tu es chrétien, et puis tu es là, va chercher l'enfant de Tata Moi. Si l'enfant des sorciers, il vient et t'embrouille dans les cabinets, et puis tu fais la honte du nom de Dieu. Et celui qui est intelligent entend ce que l'Esprit dit ce matin. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit, Daniel parla d'une manière avisée et sensée. Si tu veux régner dans ce monde, tu dois savoir même comment parler. Tu dois travailler sur ta locution. Tu dois travailler sur ton dicton. Tu dois parler des genres de tout continuer, des trucs du genre là. Ça passe pas, il y a des endroits, ça passe pas. Bon, c'est l'obéli. Ce que nous avons français, dit à la française, pour ça que ce n'est pas la quantité. Très important. Et la Bible dit, alors, les mystères furent révélés à Daniel dans une vision. Non, mes amis, il est écrit dans votre dernier chapitre, Daniel 6, verset 3. Daniel 6, 3. Verset 1, il dit ceci. Darius, le roi, il trouva bon d'établir sur le royaume. C'est la gestion des affaires publiques. Sur le royaume, 120 satrapes, des chefs. Et il mit à leur tête 3 chefs. Au nombre duquel était Daniel. Verset 3. Daniel surpassait les chefs. Est-ce que vous croyez encore à ces vieux livres? Est-ce que vous croyez encore à ces vieux livres? Ces livres renversent les choses. Ces livres élèvent les pauvres du client.
Mais ce n'est pas le pauvre qui est assis à la foule. C'est un pauvre qui est dans la foule. Azul, quand il dit qu'on a la foule, pas qu'un délicolo. Ce livre est vrai. Et la Bible dit, Daniel surpassait les chefs. Et les satrapes. Parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur. Il y avait en lui quelque chose. Il y a en toi quelque chose. Il y a en toi quelqu'un qui te différencie des autres. Qui te différencie des autres. Vous connaissez Bino Kapema, les ballons d'air. Les ballons d'air. Un enfant noir. Il a vu un blanc en train de souffler les ballons en terre. Les ballons s'envolaient. Et il vient poser la question au blanc. Est-ce que si vous prenez aussi un ballon noir, un ballon noir, vous soufflez dedans, est-ce qu'il va monter? Il dit, viens, tu vas voir. Ce qui fait la différence, ce n'est pas la couleur du ballon, mais c'est le souffle qui est dedans. C'est l'air qui est dedans. Il dit, Daniel les a surpassés tous. Parce que il y avait en lui un esprit supérieur. Papa, il y a un esprit supérieur en toi. N'aie pas peur de gérer les choses. N'aie pas peur de diriger. Vous savez, ma femme a 48 ans. Parce qu'à cause de nos affaires, ça fait naître en elle une ambition. Pendant que je vous parle, elle fait la pharmacie, elle étudie. Tu vois quelqu'un qui a la foi dans l'avenir. Elle s'est dit, nous sommes dans cette affaire et nous voyons que ça va nous amener loin. Il faut que je me fasse former. Vous savez, pour gérer papa, c'est le drame, c'est que dans certains milieux, vous avez des gens, on les place comme ça, pouf, ils se retrouvent chef, ils ne savent pas comment commander, ils ne savent pas comment organiser, ils ne savent pas gérer. Il a passé son temps à chanter Lokito Caporal à commis général. Et ça a raté. Et ça dit Babé. Et ça dit Babé. C'est comme ça que quand vous prenez un type pauvre, vous l'amenez à un certain niveau, à vous vivre sans banque. Il y a un homme qui appelle ça comme un dame, 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 un dame. Parce que ma moussou, ça fait quand même 10 dollars, allez moi église, 10 dollars, caca. Bon, ce n'est pas péché ça. Donc, on a un homme qui a l'ingé au milieu, on va battre, on va battre, caca. On va mettre un homme dans le cas de ma caca. La Bible dit tant que l'enfant est esclave, tant que l'enfant est enfant, il est toujours esclave, il ne peut pas hériter. Il n'a pas de soucis, réclamés, ils ont yaté. Tika la yo, cola nano, cola. Papa, ça va vous dire, nous tout mobile, papa. Vous travaillez, les papas, posez, téléma, téléma. Téléma, tout le monde est là, dépôt. Téléma, tout le monde est là.